La douleur de la séparation n'est rien face à la joie des retrouvailles. Et quelle joie de revenir à Silverstone une fois encore pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Même si on signalait des kilomètres et des kilomètres d'embouteillage sur l'A43 ce matin, normal, ce pays aime la Formule 1. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5,7 km. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km/h, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Et si nous parlions de Ferrari, que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Nous retrouvons Alfa Romeo en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Vettel, Hamilton, Pierre Gasly et Leclerc, Bottas, Ricciardo, Hülkenberg et Sergio Pérez, Norris, Russell, Romain Grosjean et Magnussen, Raikkonen, Sainz, Robert Kubica et Lance Stroll, Albon et Daniil Kvyat qui ferment la marche. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Prenons notre temps pour entrer dans le premier virage. On veut être en bonne position pour le reste de la course. Bonne chance. Essayons d'amener les pneus et les freins à la bonne température. Attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage.
sale. Dépasse-le.
comprends. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. La charge de la batterie est élevée. On va augmenter l'utilisation de l'ERS pour hausser le rythme. Ne lâche rien.
derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Avec les gommes, elle commence à s'user. Elle devrait malgré tout tenir encore un peu. Quelques infos au sujet de Magnussen. Ils abandonnent la course.
nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. La fenêtre de ravitaillement est ouverte. Bien, rentre à la fin de ce tour. Thank you.
batterie est élevé. On va augmenter l'utilisation de l'ERS pour hausser le rythme. Sur la voiture de devant est de 10,1 secondes.
au stand, Daniel est au stand. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium. Derrière ne tient pas la cadence, un écart se forme.
La batterie est faible. Il faut réduire l'utilisation de l'ERS. Son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Tirez parti de l'énergie générée. Augmente l'utilisation de l'ERS.
comprends. L'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière.
prix est élevé. On va augmenter l'utilisation de l'ERS pour hausser le rythme. Saluons la superbe victoire d'Alfa Romeo aujourd'hui. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. L'écurie Alfa Romeo a su rassembler des fans dans le monde entier grâce à ses excellentes performances et en s'imposant sur les Grands Prix. Autant dire qu'après cet excellent résultat, leur fan club va encore s'agrandir.
Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Sébastien Vettel doit être content de ce résultat qui lui permet de creuser l'écart avec le deuxième. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Lance Stroll a vraiment été impressionnant aujourd'hui. Son équipe et ses fans doivent être extrêmement fiers de lui. Passons à présent aux constructeurs. Les leaders du championnat conservent leur position, mais l'écart s'amoindrit. Alfa Romeo peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'écurie est parvenue à monter au classement. Quel Grand Prix passionnant nous venons de vivre ! Retrouvez-nous très bientôt, Nicolas et moi-même, pour un nouveau week-end de Formule 1.